Les vies antérieures avec Marie, le mercredi 16 novembre 2019. D'accord. Alors, alors, ce que je vois là, c'est le 18e siècle pour vous. D'accord ? 18e siècle. Hein. Oui. Alors, on va aller chercher, Marie, donc le plus important, pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça, ce qui est relié aussi à votre vie. D'accord ? Alors... D'accord. Alors, une question que j'ai à vous demander, est-ce que vous êtes reliée à tout ce qui est les îles, Marie ? Parce que à tout ce qui est les îles. Parce qu'on me parle de l'île, d'une île qui est du côté, je veux dire, D'accord. On est en train de me montrer l'Amérique. Vous voyez l'Amérique, mais les îles de l'Amérique. J'ai l'impression que c'est une île française. Saint-Domingo, on me dit. Saint-Domingo. Saint-Domingue ? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est pas français, Saint-Domingue. Ce serait pas Guadeloupe ou Martinique plutôt, non ? Non, on me montre cette partie-là. Ah. D'accord ? Saint-Domingue. Hein ? D'accord. Alors, pour moi, tout est Tahiti, tout est rassemblé en fait. D'accord ? On est en train de me dire que tout est relié. Hein ? Mais on me parle de blanc. Et on me parle de, comment dire, j'ai l'impression que c'est des colons français qui sont là. D'accord ? On me parle de colonie française. Hein ? Pas colonie américaine ou irlandaise, on me parle colonie française. D'accord ? D'accord. Vous êtes un homme à cette période-là, d'accord ? Voilà, vous êtes un homme. On me dit qu'aujourd'hui, vous avez un côté, Marie, vous affrontez les choses, vous allez de l'avant et tout ça. D'accord ? Vous avez un caractère fort. Hein, et ça va être lié à ces vies qu'on va vous parler, mais caractère fort. Hein, ça ne laisse pas marcher sur les pieds, vous décidez les choses comme vous voulez. D'accord ? Et cette période-là, vous êtes, on a l'impression que vous avez été raflé, vous savez, comme si on vous a kidnappé de l'Afrique pour aller, qu'on vous a emmené sur cette île. D'accord ? Mais je suis blanc ou noir ? Vous êtes marron, on me dit. Marron. Voilà, pas noir. Vous avez été, vous voyez, on est en train de me montrer que vous êtes en Afrique et que et puis il y a eu un kidnapping. Vous savez, on a été pris à l'assaut, mais vous êtes quand même quelqu'un qui est de bonne famille, on me montre, d'accord ? Vous savez lire et vous savez écrire. Hein. Hein on a l'impression que vous êtes un mélange de personnes, vous savez, à moitié France, alors je ne sais pas si c'est française ou anglaise, et puis à moitié noire, mais c'est pour ça que vous êtes marron. D'accord ? On me dit que vous êtes intéressé partout, aujourd'hui, par tout ce qui est les îles, le bronzage et tout ça aussi. D'accord ? Il y a quelque chose qui est relié aussi. Alors. D'accord. Donc, on me montre ce jeune homme qui a été, comment dire, à son insu, emprisonné. D'accord ? Voilà, dans cette rafle. Et emmené. Emmené en esclavage aussi. Mmh. D'accord ? C'est ce que je pratique. Mmh. Voilà, emmené en esclavage. D'accord. Alors, vous allez être quand même, cette période-là, on me dit, quelqu'un quand même d'important. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'instruit, vous savez lire, vous savez écrire, vous êtes très intelligent, hein, et vous êtes quelqu'un qui n'acceptait pas justement, comment dire, d'être maltraité, et tout ça, ça va vous mettre des révoltes intérieures, d'accord ? Des choses en colère après, parce que vous n'avez pas demandé d'être là, et vous êtes quand même... Alors, il y a beaucoup de noir autour de vous, d'accord ? De peau sombre. Mais on me dit que vous êtes marron, voilà. Et j'ai l'impression quand même qu'on vous appelle comme ça le noir marron, vous voyez ? Ou le marron, voilà. D'accord. Je vais vous donner votre prénom, on me dit François. D'accord ? Je dirais, vous êtes dans les années 1700, quelque chose. D'accord ? Vous êtes né à cette période-là, 1700, 18e siècle, 1700, on me dit. Il y a vraiment une grande injustice, hein ? Vous voyez, vous êtes...
D'accord. Alors là, je suis en train de vous voir, ce jeune homme qui grandit, mais qui grandit avec une certaine colère. Vous voyez ces personnes qui ne font rien, qui viennent donner des ordres, vous êtes fouettés, maltraités et tout ça. Et pour vous, c'est insupportable ça. Vous allez quand même enseigner à certaines personnes autour de vous, vous allez vous entourer de personnes de confiance et vous allez leur apprendre à lire et à écrire, à être au-dessus des blancs. D'accord ? J'ai l'impression que vous êtes un fils, que vous étiez l'enfant d'un gourou ou quelqu'un qui faisait, je veux dire en Afrique, quelqu'un qui faisait des choses pour soigner les autres, qui allait... Je vous entends très mal, Isabelle. Alors, je vous entends très très mal. Et là, vous m'entendez, là ? Je vous entends saccadé. Ah, ça, d'accord. Attendez, je vais mettre le son un peu plus fort. Voilà, vous m'entendez mieux, là ? Ah oui, oui. D'accord, c'est très bien. Alors, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que vous êtes comme, à cette période-là, on me dit que, comment dire, que vous devez, je pense que vous étiez, que votre père était un gourou, mais je dirais, comme un médecin ou quelque chose comme ça, mais dans tout ce qui est dans les soins des plantes et tout ça, d'accord ? Tout ce qui est dans les soins des plantes. Et c'est pour ça que vous avez eu la possibilité d'apprendre à lire et à écrire, parce que pour vous, ça a été beaucoup plus facile. D'accord ? Il voulait pour vous une éducation autre, que vous soyez notaire ou avocat ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, vous avez été raflé et votre père ne vous a jamais revu, on me dit. Vos parents, ça a été une grande peine pour eux, ils ne vous ont jamais revu. Voilà. Pour vous, c'était comment revenir. Mais vous avez quand même pris ce qui se passait autour de vous. Mais vous avez dit, ça c'est ma lutte. Il faut que je en fasse une lutte. C'est pas pour rien que je suis là. D'accord. On vous appelle quand même le tyran, hein, parce que vous êtes quand même quelqu'un de Alors aujourd'hui, je dirais plutôt que vous étiez dans un réveil de la conscience humaine, d'accord ? À l'époque, vous n'étiez pas considéré comme dans une conscience humaine parce que l'esclavage, ça faisait partie des mœurs, c'était normal, d'accord ? Mais aujourd'hui, on dirait autrement, aujourd'hui. D'accord, on me montre la lettre M, après François, on me montre la lettre M. Hein ? Mac quelque chose. Hein, voilà, Mac quelque chose, voilà. D'accord. On me montre que vous êtes en train de travailler dans le chant, d'accord ? On vous interdit de chanter, mais vous aimez chanter, hein ? Il y a beaucoup de femmes qui travaillent là et qui chantent énormément. Et quand les maîtres ne sont pas là, quand les régisseurs ne sont pas là, pas les maîtres, les régisseurs, eh bien vous chantez à toute tête, ça vous donne du bon au cœur, d'accord ? Il y a quand même des périodes agréables, des moments agréables, puis il y a des moments où c'est pas agréable, où on vous oblige à travailler toujours plus dur, plus difficilement et tout ça. Et les femmes portent les enfants, hein, je vois que... Et pour vous, c'est inadmissible toutes ces choses-là. Pourquoi les Blancs, ils ont tout et pourquoi nous, on n'a rien ? Vous voyez ? Pourquoi ils ont tout ? Pourquoi ils ont toutes les possibilités ? Ils mangent comme ils veulent et tout. Et nous, pourquoi nous, on est esclaves d'eux ? Hein, vous allez faire une révolte, hein, y a une révolte qui va être faite. Vous allez mener un groupe à la révolte. Mais vous allez préparer ça dans le silence, on me dit. D'accord ? Jusqu'à ce que la colère grogne à un moment donné. J'ai l'impression que même aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui... Vous attendez. Ah, ça résonne. Vous avez perdu encore une fois. Voilà, je sais que la voix... Vous êtes aujourd'hui... Elle s'en va. Voilà. Alors, on me dit que vous êtes quelqu'un qui attendait, puis à un moment donné, quand vous éclatez, il faut que ça gronde. Voilà. C'est encore un trait de mon caractère, ça. Voilà. Hein. Alors, c'est lié aussi à ce François que vous avez été aussi, d'accord ? À ce François, à ce jeune homme, en fait, qui était là. D'accord ? C'est lié aussi, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est lié à ça. Vous n'aimez pas l'injustice, vous aimez les choses droites, vous aimez que tout le monde ait les choses, que chacun ait sa part de choses, sa part de responsabilité. Vous voyez, vous êtes un éveilleur aussi.
D'accord. Votre père, c'était quelqu'un quand même qui était marabout. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure, qui était marabout. D'accord. Mais les gens venaient pour se faire soigner comme un médecin aujourd'hui, je dirais. D'accord. Et donc, lui, il vous a appris les plantes mortelles, les plantes qui guérissent et tout ça. Et vous préparez des choses. On voit que vous êtes en train de préparer quelque chose, mais on d'accord. On me montre comme un poison, quelque chose pour empoisonner. Vous voyez? Pas gentil, ça. C'est comme ça, c'est pas grave, Marie. Hein, je veux dire, à l'époque, c'était une révolte qui était normale par rapport à l'injustice. D'accord. C'était les riches aux dépens des pauvres ou le riche aux dépens de vous voyez, donc c'était tout à fait, comment dire, c'était aujourd'hui comme les gilets jaunes sortiraient dans la rue, vous voyez, pour demander leurs droits. Donc, vous voyez, voilà. Aujourd'hui, je veux dire, à cette époque-là, c'était normal que vous étiez dans cette réaction de combattre certaines inégalités. D'accord, c'est ça D'accord. que je veux dire. C'était légitime. Aujourd'hui, on dit que vous êtes martyr, que vous avez été martyr. Aujourd'hui, à notre époque, on dit il y a quand même quelque chose célébré, on me dit, par rapport à ce que vous avez fait. Il y a une trace qui est restée, et donc vous avez été un martyr, un révolutionnaire, comment dire, pour la cause noire, en fait. D'accord. Donc, ce François est connu aujourd'hui ? Oui, il est connu aujourd'hui. D'accord ? Et on n'a pas le nom de famille ? Alors, on vous le dit pas ? Mac, quelque chose. Peut-être qu'on me le dira après, je demanderai. D'accord. Hein, il y a toujours une raison. D'accord. Soyez patiente. Oui. D'accord. François n'avait pas forcément le temps. Hein, il avait envie que les choses aillent plus vite. Mais comme c'était dangereux. C'était dangereux, donc finalement, il valait mieux être plus calme et attendre pour pouvoir faire justement cette révolte. Hein. D'accord. Vous voyez, on me montre qu'il est en train de préparer le soir, hein, quand ils sont au repos. Il prépare, hein, il montre comment préparer du poison. Hein, du poison d'accord. Et j'ai l'impression que le poison, c'est pour les maîtres, hein, c'est pour empoisonner les maîtres, hein, pas qu'un maître, les maîtres. On met dans la nourriture, on met... Alors, je ne sais pas aujourd'hui si vous aimez, au niveau de la nourriture, vous aimez mélanger les épices et tout ça. Oui. Hein? Mais oui. C'est lié. Oui, d'accord. Il y a pas de souci. D'accord, les épices, changer, mettre des saveurs, des choses. À cette époque-là, François était quelqu'un qui connaissait tout ça, d'accord. Les arômes, ce qui va guérir, ce qui ne va pas guérir, ce qu'on doit mettre, ce qu'on ne doit pas mettre. Et donc, du coup, ça vient de là aussi, d'accord. Après, je ne dis pas que vous êtes une grande cuisinière avec des trucs. Ah non, pas du tout. D'accord. Mais vous aimez des fois de changer les goûts, changer les odeurs. Oui, vous voyez, essayer quelque chose. J'aime l'exotisme. Voilà. Essayer quelque chose de différent pour dire, tiens, la prochaine fois, je mettrai ça si ça a plu. Vous comprenez, changer les goûts, on me dit. Et à cette période-là, vous enseignez justement comment empoisonner les maîtres, comment les tuer à petit feu sans qu'ils se rendent compte. Bon, vous ne le ferez pas ça dans votre famille, hein, mais c'était comme ça. D'accord. D'accord. Alors, il va y avoir un fâcheux accident. Hein, on est en train de me montrer, c'est la plantation du sucre. Ce que vous faites, c'est la plantation du sucre. Hein, c'est tout ce qui est la canne à sucre. D'accord. D'accord. On est en train de me dire, ça aurait pu être le café. Ça aurait pu être autre chose, le coton, le café, mais vous, c'est une plantation de sucre. Hein? Il y a quand même, vous voyez, on voit qu'il y a certaines personnes qui viennent pour acheter le sucre. Il y a une grosse production de sucre et malheureusement, comme vous êtes quelqu'un d'avisé, on va vous demander à travailler même sur ces machines. Vous ne travaillez pas forcément dans les champs parce que vous êtes quand même quelqu'un de cultivé. Vous ne le montrez pas. Vous êtes intelligente pour ne pas le montrer parce que ça n'aurait pas pu marcher, donc vous ne montrez pas. Mais il y a une machine, il y a malheureusement un accident qui va se passer, hein, ce n'est pas un seul accident. On me dit que vous allez laisser votre bras, j'ai l'impression que c'est le bras gauche, dans la machine. Elle va être broyée, votre bras gauche. Est-ce que vous avez des soucis avec votre bras gauche, Marie ? Non.
Voilà. Non. Bon, alors tant mieux. Ça veut dire que vous avez nettoyé ça, d'accord? Il y a malheureusement, comment dire, en voulant sauver quelqu'un, en voulant, comment dire, que l'autre personne, c'est vous qui c'est une femme qui allait mettre son bras, en fait, qui était coincé, vous l'avez décoincé, c'est vous, votre bras qui est parti à la place. Hein? Voilà. D'accord. Mais ça ne va pas vous empêcher de, au contraire, votre colère va être encore plus puissante. Parce que vous n'allez pas avoir tous les soins qu'il faut. Et vous allez vous rendre compte que finalement, lève-toi, va travailler, c'est pas ça qui va t'empêcher de travailler. Tu as des jambes, une tête, une autre main, allez, va travailler. C'est tout ça qui va vous mettre en colère encore plus. Donc vous allez mener un combat contre l'injustice. Voilà. Macandal, on me dit. Macandal. Ou Macandal, le nom de famille. Comment? Macandal. A-N-D-A-L. Alors, je ne sais pas. Voilà, Macandal. D'accord? Voilà. Vous regarderez François. François Macandal. Alors. Il n'y a pas de Macandal, lui. M-A-C-A-N-D-A-L. Peut-être. Non? Peut-être. Macandal. François Macandal. De toute façon, il n'y a pas de faute dans un nom, c'est une prononciation. Voilà. Oui. Voilà, il n'y a jamais de faute de. Voilà, c'est jamais considéré comme une faute le nom de famille, puisqu'on peut mettre un H sans H. Voilà. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, il y a des femmes dans votre vie, hein, à cette période-là. Hein, il y a des femmes, mais on a l'impression que votre lutte est plus importante. Vous ne voulez pas forcément avoir des enfants parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important pour vous, c'est de combattre cette injustice. Et de toute façon, vous n'avez pas été mise à cette époque par hasard aussi. D'accord? Voilà, on me dit que vous n'avez pas été mise à cette époque par hasard. Tout a un lien. Et vous êtes venue dans cette époque pour faire bouger aussi tous les autres esclaves dans d'autres îles. Ça va, Marie? Oui, ça va, oui, oui. Oui, oui, mais j'ai mes amis qui sont avec moi, j'ai deux amis qui sont avec moi, et mon amie, elle a trouvé ce fameux François Macandal, haïtien, meneur marron, comme vous disiez tout à l'heure. D'accord, il n'est pas haïtien, hein, j'ai l'impression qu'il vient de l'Afrique. Non, il est né, non, c'est ça que tu dis. Il est... Actuel Cap Haïtien. Ah non, il est mort au Cap Français, qui s'appelle actuellement le Cap Haïtien. D'accord, voilà. Parce qu'on me montre qu'il vient d'Afrique. Mais c'est meneur marron, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, à l'île Saint-Domingue, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Alors, c'est ce qu'il en voilà. Et il me dit qu'il vient de l'Afrique. C'est quelqu'un qui vient de l'Afrique, d'accord? Voilà. Hein. D'accord. C'est pas un fils comment dire. C'est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un qui sait écrire et lire et il connaît l'histoire. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est intéressé. Et à la base, ça aurait dû être quelqu'un qui aurait dû être avocat ou, je veux dire, avoir un poste haut par rapport à son père, d'accord? Malheureusement, il a été raflé avec d'autres personnes. Il a demandé qu'on le lâche et tout ça. Il s'est défendu, mais il ne voulait pas entendre. On a payé certaines personnes. D'accord, on est en train de me dire, on a payé certaines personnes. On a donné de l'argent à une certaine personne pour y rafler, vous savez? Pour le kidnapping. Voilà, hein, pour le kidnapping, en fait. C'est comme si... comment dire, le roi, en fait, le gouvernement français, j'allais dire, donnait des biens, des choses matérielles en échange de quelques esclaves. D'accord? Et il est en train de me montrer qu'il était en pleine rue. D'accord? Que c'était pendant la nuit, il devait être minuit, 11h, minuit, 2h du matin. Hein, il passait là, parce qu'il sortait de quelque part. Et il dit, on a été kidnappé, on a été embarqué. D'accord? Voilà, et j'étais dans cette rafle, mais il y a une raison pourquoi, d'accord? D'accord, on est en train de me dire que sa plus grande peine toujours, ce qui a été votre peine dans cette vie-là, c'est de ne pas avoir revu vos parents, de ne pas savoir ce qu'ils sont devenus, le chagrin que vous avez pu causer à votre mère et à vos sœurs, on me dit. D'accord. D'accord, voilà, hein? Mmh. Parce que vous étiez quand même le pilier de la famille après votre père, hein? D'accord? Et ça a été difficile pour vous. Aujourd'hui, on dit que la famille, pour vous, c'est très important. Tout à fait. Hein? Et de savoir qu'est-ce qui fait l'un, qu'est-ce qui fait l'autre, est-ce que tout va bien au niveau des enfants.
D'accord? Toujours, si quelque chose ne va pas, il faut en parler. C'est important d'en parler. On trouve toujours une solution. Vous voyez, vous êtes le pilier aussi, on me dit aujourd'hui. D'accord? Voilà. Même si des fois on peut dire, Marie, c'est la méchante. Non, vous n'êtes pas méchante, vous êtes juste. C'est vrai. D'accord, Marie? C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, vous n'êtes pas méchante, c'est que vous êtes juste dans les choses par crainte, par peur de, qu'il arrive quelque chose. Ou même si vous vous répétez, c'est parce qu'au profond de vous, cette vie que vous avez vécue, elle a été difficile pour vous. D'accord, hein? Voilà. Vous êtes attirée pour aller dans les îles, on me dit? Vous aimeriez aller dans les îles? J'aime ça, oui, j'aime, mais bon, je ne peux plus voyager, là, je ne supporte pas l'avion. D'accord. Et j'ai l'occasion d'y aller, oui, effectivement, par deux fois. D'accord, mais allez-y en bateau. Ben c'est encore pire, ma pauvre. Si vous saviez, oh mon Dieu. Non. Oui, parce que le bateau, pour vous, ben, ça a été ce départ, vous avez été transporté en bateau aussi. Hein? Et si vous étiez tous les uns sur les autres. Comme dit et bétail. J'étais malade. Oui, très malade. Oui, hein. Parce que vous avez été malade. Voilà, les uns sur les autres dans un cargo, on me dit la cave, hein, d'accord, vous avez senti toutes ces vagues, tous ces trucs, et aujourd'hui, ben, même tout ce qui est manège, tout ce qui est tourné, tout, c'est pas pour vous de toute façon. Ah non, pas du tout, hein, pas du tout. Déjà, de le voir, de voir les autres, vous avez des aigreurs, vous avez ces envies de vomir, ou comme si vous voyez, c'est lié aussi à cette période-là qu'il va falloir nettoyer pour ne pas avoir ces ressentis. Tout ça, c'est lié, parce que vous avez quand même fait, on me dit, un trajet très très long. Oui, j'imagine. Hein? Et dans la vous comprenez? C'est pour ça aujourd'hui on me dit aussi tout ce qui est saleté, vous ne supportez pas. Ça c'est vrai. C'est vrai. Voilà, les odeurs les odeurs de literie d'un chat, vous ne supportez pas, il faut nettoyer, vous voyez tous ces trucs là en fait, vous ne supportez pas, on dit. Voilà. Même la sueur, d'accord? Voilà. Dites-moi, on peut le couper, ça, ce mal-être en bateau, en avion? Bien sûr, parce que ça ne vous appartient plus aujourd'hui. Bien sûr, on peut le couper. Hein, débarrassez-moi si vous pouvez, s'il vous plaît, que je puisse voyager encore. Voilà. Peut-être pas en bateau. Oui, mais en fait, pourquoi pas en bateau, faire une croisière. Aussi, mais tous les transports, que je sois plus malade. En fait, Marie, pour les transports et tout ça, c'est une crainte qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle ne vous appartient pas aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, il va falloir se dire, c'était moi peut-être dans une autre vie, mais qu'aujourd'hui, je n'ai pas à le revivre parce que je suis Marie et que je peux faire autre chose. Mais je n'ai pas la crainte du transport, oui. C'est que je suis malade, tombe dans les pommes et je vomis. Eh oui. C'est indépendant de ma volonté. D'accord. On en reparlera après, d'accord, Marie? D'accord. On reparlera après, si vous voulez, juste après. D'accord. On en reparlera après pour ne pas couper le fil de ce qu'on est en train de dire. Mais c'est relié aujourd'hui à tout ça, en fait. D'accord? C'est relié, c'est important. Ça aussi, c'est pour vous soigner aussi. Alors, on me dit quand même, vous êtes quelqu'un... Alors, malheureusement, le feu aussi, vous avez peur du feu? Pas spécialement, non. Mais vous avez été capturé, hein. De toute façon, vous avez mené des gens à la révolution, dans une révolution, d'accord. Et vous allez être encore emprisonné et on va vous monter dans un bûcher. Ah, c'est ce que ma copine vient de me dire, oui. D'accord. Voilà, on est en train de me montrer le feu, hein. Comment dire, on vous brûle vif, en fait. D'accord. Eh oui, moi, sur le bûcher, comme Jeanne d'Arc. Comme Jeanne d'Arc. Comme Jeanne d'Arc, il monte sur le bûcher. Voilà. Mais vous savez pourquoi aussi on va vous montrer aussi sur une place pour que tous ceux qui se révoltent, ben, c'est ce qui leur attend. Mais ça, au contraire, ça va encore attiser encore plus de colère. Mais vous savez que vous êtes un martyr dans cette histoire et qu'un jour, ce que vous avez fait, eh ben, aura une percussion sur tout le reste. C'est ce qui va devenir une percussion sur tout le reste. Alors, on me parle quand même, vous êtes quand même entouré, vous êtes aimé. D'accord? Vous êtes aimé. Il y a quelqu'un d'autre qui, par la suite, va vous poursuivre aussi. Je veux dire, ce que vous avez fait en disant que vous n'êtes pas mort. Parce que pour vous, vous êtes un immortel.
D'accord? Ah, d'accord. Hein, parce que votre père vous a toujours enseigné à dire vous êtes immortel. Mais ce qui votre père se trompait, c'est pas qu'il se trompait, c'est que votre âme, elle est immortelle. Ça veut dire que même si ton corps meurt, ton âme est immortelle. Elle reviendra se venger, ou pas se venger, mais retrouver, je veux dire, une réparation de l'injustice qui a été faite. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là aussi, c'est aussi pour réparer quelque chose aussi. D'accord, par rapport à tout ce que vous avez au niveau de ces mots, de prendre le bateau, pourquoi vous avez des évanouissements et tout ça. Tout ça, c'est lié à ces vies-là qu'il faut nettoyer aujourd'hui, qui ne font plus partie de vous. D'accord, qui ne sont pas... Attendez, le son est reparti. Voilà. Je vous entends plus. Vous m'entendez là? Non. Attendez, ça va revenir. Non. Ça va revenir. Ça, c'est normal. Hein. C'est eux qui sont en train... Voilà, vous écouterez la vidéo, vous entendrez qu'il y a des gens qui parlent, c'est qu'ils sont en train de parler de l'autre côté. D'accord. D'accord. Hein. Et donc, du coup, il y a un double son. Voilà. Hein. Quand vous écouterez avec le casque, vous entendrez, ils sont en train de parler de l'autre côté. Moi, je les entends parler, les guides. D'accord, hein. Mais voilà. Hein. D'accord. Il y a une Jeanne dans cette histoire. Hein. On montre quelqu'un qui s'appelle Jeanne. Jeanne. Et j'ai l'impression que Jeanne a appris à lire et à écrire aussi grâce à lui, hein, grâce à François. Voilà. Ah. Hein. Mais et c'est une esclave elle aussi. Oui, elle a été esclave. Elle était esclave et elle a été, je veux dire, elle était contre l'assassinat. Hein, François était très amoureux de. Vous étiez très amoureux de cette Jeanne. D'accord. Il y a d'autres personnes, mais c'est Jeanne pour elle, pour vous, c'est comme malheureusement sans le vouloir, elle va le trahir sans le vouloir. Il y a une trahison sans le vouloir parce qu'elle est restée. On va la torturer pour savoir certaines choses. Ouf. D'accord. Voilà. Hein. Vous voulez qu'on en parle de cette période-là ou pas, Marie? Oui, oui, oui. Voilà. Vous voulez savoir des choses particulières, Marie, sur cette période-là ou pas? L'impact de cette vie-là sur ma vie d'aujourd'hui, hormis le mal des transports. L'impact, c'est que vous êtes une justicière, d'accord? D'accord, c'est que, oui. C'est que votre âme, elle est venue quand même... Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes Marie... D'accord, que des choses, vous avez une vie, je dirais simple, une vie de maman, une vie de femme, une vie d'amis, que chacun de nous, à un moment, une période de notre vie, nous venons faire des choses importantes. D'accord, on a pu être comtesse, on a pu être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vient éveiller. C'est surtout dans le but là, hein, dans l'éveil, quelqu'un qui vient éveiller une conscience. D'accord. Donc ça fait partie aussi de votre vie qui vient éveiller une conscience. Comme Luther King qui est venu, mais ça ne veut pas dire que quand il reviendra, qu'il sera un révolutionnaire. Il peut demander avoir une vie plus de calme, une vie de chant, ou je ne sais pas, autre chose qui n'a rien à voir. Parce qu'on vient expérimenter des choses dans cette vie pour avancer, pour évoluer et pour faire prendre une prise de conscience. D'accord. D'accord, hein, voilà. Mais il y a quand même des choses à couper avec cette vie-là pour ne pas que vous ayez à souffrir dans votre corps. Ok. D'accord. Parce que votre âme, elle a un nouveau corps et donc elle se sert de ce corps des fois pour utiliser, pour revivre des sensations qui ne sont pas de Marie. D'accord. D'accord, voilà. Ok. Alors, oui, dites-y. Et cette Jeanne, Isabelle, est-ce que je l'ai retrouvée dans cette vie-ci ou non? On va non, pas dans cette vie-ci. D'accord. Non, pas dans cette vie-ci. Vous ne l'avez pas ni en tant qu'ami, ni en tant qu'enfant, ni en tant que mari, ni voilà. Elle n'est pas, elle ne s'est pas intégrée. Comment dire, vous avez souffert qu'elle ne vous accompagne pas, qu'elle ne vous suive pas. D'accord. Hein? Et vous lui en vouliez d'une certaine façon parce que ce qui est arrivé, c'est parce que bon, elle a dû céder, mais ce n'était pas sa faute, c'est qu'elle a été torturée. D'accord. Hein? Mmh. Il y avait une torture quand même difficile, si je vous dis ce qui s'est passé, c'est affreux en fait. D'accord. Voilà.
Hein, autrefois, on faisait des choses des fois affreuses qu'on n'en parle pas. Voilà. Et encore aujourd'hui, des fois. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va poursuivre avec cette deuxième vie. Alors, pour vous, il y aura eu deux vies importantes par rapport à celle-ci, d'accord ? Alors, oui. Vous avez quand même, Marie, eu plusieurs vies dans votre vie, d'accord ? Il y en a eu beaucoup. Voilà, mais c'est d'accord. Pas... Alors, je sais pas, vous dansez là, hein, vous êtes une femme, hein, d'accord ? Vous êtes je une... danse. Voilà, vous dansez, hein. Mais on ne peut pas dire que vous êtes une grande danseuse, d'accord ? Ça serait comme moi, pas du tout grande danseuse, voilà, qui aime bouger, mais pas comme certaines personnes qui ont ce truc de danser, qui savent exprimer leur corps. Vous, à cette époque-là, vous n'avez pas trop exprimé votre corps, mais on vous regarde, vous êtes très, très, très belle. C'est quelque chose que je peux dire. Vous êtes très, très belle. Très, très, très belle. Très belle. Voilà. D'accord. Vous êtes brune, les cheveux ondulés, une peau très blanche, les yeux, alors je dirais des yeux marrons, comme aujourd'hui. D'accord ? Ah, voilà. J'aurais préféré vert, mais bon. Alors, c'est drôle parce que à cette époque-là, vous auriez aimé avoir les yeux vert clair ou bleu clair. Et souvent, on a associé que vous aviez les yeux bleus, tout ça, alors que vous aviez les yeux sombres. D'accord. Le vert, c'est quelque chose qui m'attirait. Ouais. D'accord. D'accord. Vous appelez Marie aussi. Marie. Oui, Marie Dolores. Oh punaise, une espagnole. Alors, je pense pas que vous soyez espagnole, mais on vous appelait Marie Dolores. D'accord. On vous appelait même Betty des fois. Betty. Dis Betty. D'accord. 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 Vous êtes d'accord. Vous êtes de père. Alors, on me montre l'Est, hein, de papa. C'est Thaïlande ou Irlande ? D'accord. Je pense que votre père était ou irlandais ou finlandais, quelque chose comme ça. D'accord ? Ou irlandais ou finlandais. C'est un militaire, on me montre. D'accord, c'est un militaire et on a l'impression qu'il fait partie de la. C'est un militaire gradé qui fait partie de la. Comment dire, de la royauté royale d'Angleterre. Hein, de la caste. Voilà, qui est au service, hein, de la royauté anglaise, hein, au Royaume-Uni, on me dit. Hein, c'est quelqu'un qui. Pas finlandais alors, irlandais. Je pense qu'il est irlandais, votre papa. Hein. Royauté. D'accord. Hein. Attends. J'entends les copines. Hein. Oui, mon ami demande le nom de famille, alors je lui dis attends. Voilà, il faut pas que j'aille plus vite par rapport au guide. Hein. Je veux pas vous dire des bêtises non plus. Hein. Votre maman, elle est, j'ai l'impression qu'elle est créole, votre mère. Mère créole, décidément, je suis beaucoup dans le black. Hein. Oui, écoutez, hein, c'est, je ne peux pas faire autrement, hein, c'est comme ça. Je crois qu'elle est créole. Bon, mais ça me va, ça me va. Voilà. vous êtes une grande beauté et, comment dire, vous êtes née, alors je ne sais pas si c'est l'Angleterre où vous êtes née, mais on me montre quand même un pays où il fait froid. Hein, je dirais même, c'est même pas la France, c'est le en dehors, vous voyez, au-dessus, hein, la mer du Nord, et on me montre au-dessus. Alors je ne sais pas si c'est l'Angleterre, l'Irlande, je ne sais pas, hein. D'accord. Alors, votre mère est très jeune quand elle va vous avoir. J'ai l'impression qu'elle a 15-16 ans. D'accord ? On me montre une enfant jeune, hein, mariée à ce militaire. Elle est jeune en fait. Hein, c'est une jeune femme. D'accord. On me montre que vous allez partir, qu'il va être appelé en Inde, d'accord ? Aller en Inde et vos parents vont partir en Inde. Vous êtes petite quand ils partent en Inde. Vous devez avoir peut-être 2, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, cet âge-là à peu près, on me montre. D'accord ? D'accord. Ok, d'accord. Vous allez rester un petit moment là, mais comment dire alors je comprends pas trop parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que votre père va mourir. Hein. Vous voyez, il meurt très peu de temps après. Il y a une mort de votre père. Hein, il décède de quelque chose. Hein, on me montre ça, qu'il va décéder. Et j'ai l'impression qu'il est malade, votre père. D'accord hein.
Votre papa, vous tenez beaucoup à votre père, hein? C'est quelqu'un avec vous qui ne vous interdit rien. D'accord? Votre mère est un peu plus dure parce qu'elle elle a envie, comment dire, elle rentre dans un côté un peu bourgeois et elle a envie de poursuivre ça. Mais vous, vous êtes une enfant très ouf, la liola, vous voyez, on s'amuse, on rigole, on fait un peu n'importe quoi. Et puis, c'est pas grave, c'est le moment, c'est de s'amuser, très ouverte. Très ouverte, très d'esprit. Rien ne vous enferme, vous voyez. Et ce pays où vous êtes en Inde, ben rien, vous faites un peu n'importe quoi, vous sauvez, hein, vous sauvez de la maison et tout ça. Et pour un moment donné, votre père n'arrive pas à vous garder. Hein, vous faites comme les choses comme vous voulez, d'accord. Vous n'êtes pas pudique non plus. Donc pour vous, montrer les jambes, remonter les jambes, montrer la jupe, c'est pas grave pour vous. Et voilà, et donc... et donc ça, je l'ai gardé un petit peu. Alors, voilà. Et donc, du coup, d'accord, on va vous envoyer en Angleterre, on est en train de me dire. Hein, on vous renvoie en Angleterre. Votre mère se remarie, attention, votre mère va se remarier encore avec un officier, on me dit. Avec un officier. Et vous, vous allez... on est en train de me montrer que vous allez partir en Angleterre pour vivre, pour l'éducation, pour recadrer cette éducation que vous manquez. Puis vous vous en fichez complètement de l'école. Hein, pour vous, l'école, c'est une perte de temps. On peut gagner de l'argent autrement avec ses atouts. Belle mentalité. Mais vous savez, Marie, vous êtes quand même quelqu'un qui plaisait énormément. Et vous avez compris qu'en fait, quand on plaît, on a de l'argent. Mmh. Hein? Et quand même, vous êtes quand même d'une famille, je veux dire, vous allez vous construire vous-même. D'accord? Vous êtes quand même en avance du temps par rapport à toutes ces femmes qui sont fermées et tout ça. Vous êtes en avance du temps. D'accord? D'accord. On montre que vous êtes quand même... voilà. Vous avez 2 ans ou 3 ans quand vous êtes en Inde et on va vous envoyer en Angleterre, on me dit. Là, vos grands-parents n'arrivent pas à vous tenir. Vous êtes infernal. Vous vous sauvez de la maison. D'accord? Vous n'allez pas forcément... Vous apprenez ce que vous voulez et puis tout le reste, ben, c'est vous qui apprenez les choses. D'accord? On n'arrive pas à vous tenir. D'accord. On va. D'accord. Il y a votre beau-père, en fait. Votre beau-père est très amoureux de vous. Oh, c'est pas bien, ça. Oui, c'est pas bien. D'accord. Il est très attiré par vous. Vous devenez une belle jeune fille, hein, une belle jeune femme. Alors, votre mère, elle reste là, je veux dire, elle reste en Inde. Mais vous allez. Lui, il va se déplacer et il va vous courtiser, en fait. Il va vous kidnapper. D'accord. Vous allez être mariée à lui, en fait. Il va... vous allez devenir sa maîtresse ou sa femme, je ne sais pas, mais je vois une relation intime et vous n'êtes pas, comment dire... Vous n'êtes pas en refus vis-à-vis de lui. D'accord. Mais en échange, vous lui demandez des choses, que ce soit de l'argent, des choses. Voilà. C'est un service pour un autre service. D'accord. Mais cette relation, elle ne va pas durer longtemps, hein, parce que vous allez le tromper de toute façon. Hein, on me montre que vous n'allez pas rester là. Alors, vous rêvez toujours très grand, hein, cette période-là. Vous rêvez énormément de choses très grandes. Et vous vous dites, avec toute ma beauté, ce que j'ai, eh ben, vaut mieux aller chercher un prince ou un comte. Et vous allez le faire de toute façon. Et vous avez la période, Isabelle. La période, on me parle du 19e siècle. Ah, c'est récent. Voilà. Je dirais 1800. Alors, vous êtes né. D'accord, donnez-moi l'information. D'accord. Je ne sais pas si. Alors, je vais dire 1818, entre 1818 et 1825. Votre naissance, d'accord? Voilà. D'accord. Alors, vous rêvez de voyage, hein? Vous êtes quelqu'un qui rêvait de voyage et tout ça. Alors, vous êtes quand même une scandaleuse. D'accord? Scandaleuse? Oui, une scandaleuse. Hein? Vous êtes un peu capricieuse aussi.
D'accord, cette période-là. Parce que vous savez qu'en fait, c'est pas capricieux, je dirais. C'est que vous êtes une femme libérée, une femme qui sait ce qu'elle veut. Et pourquoi les hommes auraient tout et vous, vous n'aurez rien? Pourquoi mettre... Vous avez toujours cette injustice. Pourquoi les hommes, ils ont droit à des choses et on leur dit rien et nous on doit... Sois belle et tais-toi. Ça, c'est un truc que vous supportez pas. Pourquoi l'injustice? Pourquoi tout ce qu'ils font, c'est amen et vous, tout ce que vous faites, c'est un scandale. Voilà. Hein, il y a ce côté-là. Vous êtes quand même quelqu'un qui vient un peu révolutionner l'esprit des hommes, provocatrice, disons. Vous voyez, vous allez être la maîtresse quand même la maîtresse de gens connus. On me dit que vous allez rencontrer Victor Hugo aussi. Vous ne serez pas la maîtresse de Victor Hugo. Je n'ai pas compris, Isabelle. Alors, vous allez être avec des gens connus, d'accord, maîtresse de personnes connues. Mais on me dit aussi que vous allez rencontrer Victor Hugo. Vous n'allez pas être sa maîtresse. Hein, vous allez un peu le séduire et tout. Mais Victor Hugo, on me parle. Hein. Vous allez rencontrer Victor Hugo, il fera partie de vos amis. D'accord. Alors, pour subvenir à vos besoins, on me montre que vous, vous avez beaucoup d'argent. Vous savez que l'argent amène à faire tout. Vous allez faire du cinéma, j'ai l'impression. Hein, il y a quelque chose avec le cinéma. Mais je n'ai pas l'impression que c'est en France, le cinéma. Hein, j'ai l'impression que vous partez en Amérique. Il y a quelque chose... Vous voulez vous lancer dans le cinéma ou dans la danse. Tout est lié, en fait. Mais vraiment, vous êtes une piteuse danseuse. Hein, je suis désolée. Ben, j'ai bien changé. Voilà. Ben, tant mieux. Tant mieux, Marie. Mais alors là, à cette époque-là, vous savez, on me montre que vous êtes en train de faire des trucs comme ça. Vous savez, quand on pensait qu'ils dansaient super bien autrefois, ces danseuses, parce qu'elles montaient un peu leurs seins ou les jambes. Voilà, vous êtes en train de faire des choses comme ça. Mais bon, vous amusez bien parce qu'à l'époque, on ne fait pas ces choses-là. D'accord? Vous montez vos jambes, vous montrez vos cuisses, vous ne portez pas de culotte. Vous êtes quand même... Tu m'as changé. Vous allez bien. Vous voyez que j'ai un impact. Ben, vous supportez pas en fait ces choses qui sont serrées et tout ça, d'accord? Vous supportez pas. Et du coup, on est en train de me dire, des fois, vous savez, on me dit que vous avez tellement d'argent et vous, c'est de faire du théâtre, du cinéma, c'est votre rêve en fait de devenir une actrice ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, vous allez travailler dans du théâtre, d'accord? Et on me montre que vous êtes en train de lancer les jambes et on remarque qu'il n'y a rien, donc ça devient scandaleux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, d'accord. Bon. Alors, on vous appelle Lola. Lola. On m'appelle Lola. Et voilà, c'est votre nom de scène, Lola. Voilà, Lola. Et Lola Monté. D'accord. Ah, Lola Montes. Oui, Lola Montes. C'est une grande actrice, Lola Montes. Voilà, on dit Lola Montes. C'est une grande actrice. Je ne sais pas si c'est une grande actrice, je ne la connais pas, mais voilà. Vous allez devenir Lola Montes. Elle n'a pas fait vraiment de grands films, je veux dire. Elle est connue. Voilà. Elle est connue. D'accord. C'est Lola Montes. Son père s'appelait Gilbert, je crois, de nom de famille. Gilbert. Qui on dirait français, hein. Son père, son nom de famille, c'était Gilbert. Il me semble que oui. Oui, on est en train de me dire Gilbert. Pourtant, ça fait français, Gilbert. Hein, oui. Mais ouais. Lola Montel, c'est un nom d'actrice, c'est un pseudo, je pense. Oui, parce qu'on l'appelait Betty. C'est ça, Isabelle. Mon amie vient vérifier, c'est ça. Lola Montel, ça s'appelait Marie Dolores. Voilà, et on l'appelait Betty aussi. D'accord. On l'appelait Betty. Voilà, on l'appelait Betty aussi. Elle a dû se sauver de la France, d'accord, parce qu'elle a été accusée de choses. En fait, vous étiez quand même provocatrice à l'époque, et donc vous vouliez un peu, provocatrice et en même temps vous aimiez un peu chauffer, hein, on me dit. D'accord, les mœurs. Voilà. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, on est en train de me dire que vous allez devenir... vous allez faire un voyage. D'accord. Vous allez faire un voyage, on me dit, et vous allez rencontrer quelqu'un de connu. Hein, on me montre quelqu'un qui a une couronne, hein, qui a la couronne. Albert ? Non.
Voilà. Il y a quelque chose lié avec l'Hongrie, avec vous, d'accord? Comme Sissi, l'impératrice. Il y a quelque chose lié avec vous. J'ai pas Sissi, vous avez rencontré Sissi, mais on me dit quelque chose lié avec un roi. Hein, d'accord. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui va tomber fou amoureux de vous. D'accord? Vous êtes quand même, comment dire, vous allez devenir sa maîtresse, d'accord? Courtisane, je dirais. Hein, ce qu'on est en train de me dire, courtisane. Mais pas que courtisane pour lui, vous avez été aussi courtisane pour d'autres hommes importants. Et de l'argent, vous en avez eu beaucoup. Vous aimez les belles toilettes, vous aimez les belles choses, vous aimez être bien coiffé, vous aimez les bijoux. Vous voyez, tout ça pour vous, c'est important. Vous voyez, mon bijou, là, je l'ai tout tourné. Hein, vous aimez les perles? Je vous entends mal. Vous aimez, qu'est-ce que vous me dites, Isabelle? Vous aimez les perles, vous aimez les cadeaux, d'accord? Voilà. On est en train de me montrer que vous exigez de ce roi qui est votre... on le sait, hein, vous ne vous cachez pas. Hein. Cet homme, il a quand même la soixantaine, d'accord? On a l'impression que ce pays vous trouve trop scandaleuse. Vous voulez un titre et vous allez avoir un titre, on est en train de me dire. D'accord, comtesse, hein, on va vous appeler comtesse. D'accord ? On va m'appeler comtesse. Voilà, comtesse. Hein, vous allez devenir comtesse. Et c'est drôle, Marie, parce que Marie Comtesse, vous allez devenir comtesse. Bon, mon ami est en train de me dire exactement la même chose. D'accord ? Vous allez devenir comtesse. Donc, il n'y a pas de hasard. D'accord ? Il n'y a pas de hasard. Et ce serait pas le roi Louis de Bavière ? Le premier. Parce que j'étais sur la Hongrie. On me dit premier, le premier. Lui, premier de Bavière, voilà. C'est ça. Voilà. Et il est plus âgé que vous, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous lui faites tourner la tête. Il n'arrive pas, d'accord. On me dit, il n'arrive pas à vous céder les choses, vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de. Vous voyez, mais vous êtes quand même provocatrice devant le peuple, ben, vous n'en avez rien à faire. Hein, vous pouvez très bien sortir un peu dénudé pour provoquer. De toute façon, vous êtes dans ce contexte de la liberté de la femme. Vous êtes très libre au niveau de la femme. Ça veut dire arrêter de croire qu'une femme doit être fermée, cachée. C'est bon. Hein. Surtout que vous savez que tous ces hommes vont aller voir ailleurs. Donc, au lieu d'attacher leur femme et de les renfermer comme ça, il ferait mieux de laisser leur femme un peu libre. Comme ça, ils n'auraient pas envie d'aller voir ailleurs. D'accord ? Voilà. C'est donc ce roi là qui a dû me faire comtesse alors. Oui, c'est lui qui a dû me donner le titre. Alors vous vouliez autre chose, hein, vous vouliez quelque chose encore plus haut. C'est lui qui vous a donné ce titre de comtesse, d'accord? D'accord. Voilà, c'est lui. D'accord. Hein, vous vouliez être hongroise aussi. Hongroise, ah bon? Voilà, hein, vous auriez aimé être hongroise, mais le peuple était ne vous aimait pas en fait, hein, parce que vous étiez trop provocatrice. Alors c'est pas les femmes, ce sont les hommes qui n'aimaient pas votre allure, hein, parce que vous étiez en train de mettre dans la tête des femmes de s'ouvrir, de prendre soin de leur corps, de montrer leur corps, que tout était. Vous voyez, on me montre même que vous êtes sur le balcon et vous allez dehors, les gens sont en train de vous siffler parce qu'ils sont en colère, et vous sortez en chemise de nuit presque transparente avec un verre de champagne, on dirait rien à foutre de vous tous. Mon amie, elle vous approuve. Elle me retrouve. Elle veut dire rien à foutre. Mais réveillez-vous là. Vous voyez, c'est à réveillez-vous. Vous voyez pas que eux-mêmes vont aller chercher ailleurs. Vous voyez, en fait, ce qui vous met en colère, c'est que ces hommes, au lieu de mettre leurs femmes en premier rang et de leur dire, ma chérie, tu peux te préparer, tu peux être belle, ils vont chercher des maîtresses qui sont dans cette allure comme ça, comme elle, que vous étiez, hein, très provocatrice, alors que leurs femmes pouvaient être aussi comme ça, libres, faire des choses et tout ça. Donc pour vous, rien à faire. D'accord? Et puis vous avez de l'argent, vous êtes magnifique, vous êtes belle, et tout ça, vous en jouez de toute façon. D'accord? Et voilà. Malheureusement, Marie, comment dire, les choses ne vont pas se gâter pour vous aussi. Hein, non, vous êtes quand même provocateur. Vous allez partir en Amérique. Vous bougez quand même. Hein, vous avez quand même eu cette possibilité de bouger. D'accord? On me montre l'Amérique, hein, que vous repartez en Amérique. C'est là que vous allez commencer une carrière un peu de cinéma, où vous allez être encore la muse ou la maîtresse de certaines personnes importantes. D'accord? Et là, vous allez commencer à faire du cinéma. Mais alors, c'est pas votre truc. En fait, par votre beauté, vous percez l'écran. Mais après, pour le reste, c'est pas ça. Vous êtes très, très mauvaise danseuse, on me dit. Hein, vous êtes une danseuse exotique.
Hein, vous faites passer pour une espagnole, mais vous n'êtes pas espagnole. Et au point de vue beauté, mon amie a trouvé le portrait. Bah, elle n'était pas si belle que ça. Hein. Ah, bon. si, vous étiez une très très belle femme. Ouais, pour l'époque, sans doute. Non, pas pour l'époque. Vous étiez une très très belle femme. D'accord, on est en train de me dire. Encore. Alors peut-être bon. Que votre ami, on est en train de me dire, votre ami n'a pas choisi la belle photo. Eh ben, choisis une autre photo, Cathy. Voilà, alors bah, voilà, on est en train de me dire, votre ami n'a pas choisi la plus belle photo. Mais vous étiez une très très belle femme. D'accord. Vous avez fait du cinéma, moi, voilà. D'accord. On est en train de me dire, allez regarder un petit peu au niveau certaines choses, mais vous étiez une très très belle femme. C'est pour ça que vous avez énormément, vous plaisiez énormément. D'accord, hein. Voilà. Et puis vous êtes quelqu'un de joviable, quelqu'un de d'innocente, quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Cette période-là, quand même, vous avez une vie avant compliquée, difficile. Vous n'avez pas pu vivre en tant que François une vie épanouie et tout. Autant là, vous êtes complètement lâché, on me dit. Complètement lâché et dire maintenant, je fais ce que je veux, je suis libre, je m'abandonne à qui je veux et je fais ce que je veux. D'accord. Vous allez être marié, on me dit, hein, il y a quand même un deuxième mariage pour vous, mais vous n'aurez jamais d'enfant, on me dit. Hein, il n'y a pas d'enfant, je ne vois pas d'enfant. Pour vous, l'enfant, ben, c'est vous-même, qu'on s'occupe de vous avant tout. D'accord. D'accord. C'est pas comme aujourd'hui, vous avez des enfants, mais à cette époque-là. Non. Vous n'avez pas d'enfants ? Non. D'accord. Vous auriez aimé, Marie, avoir des enfants ? Oui, tout à fait. Deux ? Au moins deux ? Au moins deux. Voilà, hein. Mais d'accord, donc ça sera dans une autre vie. J'aime les grandes familles, hein. J'aime les grandes familles. Hein. Voilà, alors dans une autre vie. À cette époque-là, vous n'avez pas d'enfants. Cette vie première, François n'avait pas d'enfants. Marie, dans cette vie de Betty ou Lola, je ne sais pas son nom. Voilà, Lola, on me dit, vous n'avez pas d'enfants. Alors, vous vous êtes fait appeler Lola Mendes parce que vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse par rapport à votre mariage. Votre mariage avec ce premier mari qui était... il y a quand même... Vous êtes remariée une deuxième fois sans avoir divorcé de la première. Voilà. Même là, vous n'en avez rien à faire. Vous allez régler cette situation. D'accord. Drôle de personnage. Non, c'est que vous êtes quand même... Alors, il faut le voir qu'à l'époque, c'était aussi... Je veux dire, vous êtes quand même quelqu'un qui venait réveiller les consciences, réveiller... je veux dire, vous savez, derrière comment Marilyn Monroe, cette femme qu'on croyait fragile et tout, il y avait une femme forte qui a aimé un président, qui a quand même été une femme qui a ouvert la coloration, qui a ouvert beaucoup de choses différentes et les femmes se sont copiées à elle. Vous voyez, donc il y a toujours des femmes muses ou des femmes qui rentrent dans une vie, c'est un peu comme l'histoire de Chanel, hein. C'était une femme qui aimait la mode et elle s'est lancée, alors que, je veux dire, elle avait aussi une sexualité différente, je veux dire, elle aimait les femmes, donc à l'époque c'était mal vu, mais aujourd'hui, dans notre nature, c'est un peu mieux vu et tout ça. Ça a été une grande femme dans ce qu'elle a fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a réveillé le corps féminin et d'autres possibilités. Cette époque-là, vous avez été quand même, bouleversante. On vous aimait, les hommes vous adoraient. Beaucoup d'hommes auraient voulu coucher avec vous, vous avoir dans leur lit. D'accord. Donc voilà. D'accord. On me dit que votre deuxième mari s'appelle Georges. Ah, vous n'êtes pas resté longtemps avec lui, j'ai l'impression. Ça ne peut pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher à l'époque. Vous étiez trop libre dans votre tête. Vous étiez trop libre, trop personnel. D'accord. D'accord. Alors, on est en train de me montrer, Marie, que cette période-là, vous allez repartir en Amérique et vous allez tomber malade. Hein, on me montre ça. Hein. Vous serez un petit peu ruiné. On parle de malade. Je suis en bas. D'accord. On est en train de me dire que vous rentrerez en Amérique, d'accord. Bon, oui. Vous allez faire ce cinéma qui ne va pas forcément marcher, d'accord. Alors, c'est drôle parce qu'on me montre que vous êtes en train de danser, vous mélangez un peu tout, vous comprenez, vous êtes,
Vous êtes un peu comme Marilyn Monroe qui n'a pas besoin de trop parler. En fait, elle crève l'écran par sa beauté. D'accord ? Et vous, vous creverez l'écran par votre beauté et par votre silhouette. Vous avez un magnifique corps. Une belle poitrine, une taille très fine, des beaux cheveux, une belle peau. Vous voyez, vous avez un corps qui comment dire, comme beaucoup de femmes aimeraient avoir. D'accord ? Voilà. Voilà. D'accord. Vous avez quand même, alors je vais vous dire quelque chose, vous avez quand même une belle vie parce que vous avez fait ce que vous vouliez réaliser. D'accord ? D'accord, on est en train de me dire que vous avez réalisé ce que vous vouliez faire, c'est l'amusement, vous amuser, faire des choses. Donc tout ça, vous l'avez réalisé et c'était une façon aussi de lâcher cette vie avant qui était compliquée, qui était difficile. Et on me montre que vous êtes quand même... alors, je vois des paralysies au niveau de votre corps, d'accord ? Des douleurs au niveau de votre corps. C'est peut-être pour ça qu'au début, j'avais mal tout ce qui était parti au niveau des os derrière. D'accord ? Et je pense que ça fait partie aussi de ce qu'elle a vécu Lola, cette période-là. Elle a des paralysies, d'accord ? On me montre des paralysies et une fragilité au niveau des poumons, on me dit. Hein ? Elle tousse beaucoup. Elle a beaucoup de toux et on me montre qu'elle tousse beaucoup. Elle a du mal à respirer, d'accord ? Elle a une pneumonie ? Oh, certainement, parce que je vois, j'ai mal, même moi, là, je ressens cette période où vous étiez. Du mal à respirer, du mal à vous voyez, il est mieux, alors, à cette époque-là, pour vous, vous estimez qu'il est mieux de partir, il est temps de partir parce que vous avez accompli ce qu'il fallait faire, d'accord, hein? Sinon, vous aurez donné 100 ans de plus, vous serez reparti, hein, de toute façon, hein? Vous avez quand même vécu dans un certain luxe, d'accord, on vous a toujours... vous n'aviez pas besoin forcément de travailler parce que les hommes vous ont toujours donné ce qu'il fallait. D'accord, des belles toilettes, de l'argent, possibilité d'aller, de voyager, de partir. Vous n'avez pas eu besoin de ramer. Il suffisait de claquer les doigts, d'être avec quelqu'un qui pouvait et il vous apportait tout ce qu'il fallait. Hein, Vous n'êtes pas partie vieille, hein, on est en train de me montrer ça. Vous êtes à la fleur quand même de l'âge. Hein, je sais pas. La quarantaine, on me montre 39, 40. Quarantaine. Voilà, la quarantaine. Mais voilà, vous êtes partie à la fleur de l'âge. Et pour vous, vous n'avez, comment dire, pour vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas peur de la mort. D'accord ? Parce que vous allez quand même vous réconcilier, je pense, avec l'Église, parce qu'on va vous demander justement de vous réconcilier avec, pas forcément l'Église, mais avec quelque chose de plus spirituel. D'accord ? Je ne parle pas d'Église, je dirais quelque chose de spirituel pour pouvoir partir de ce monde en paix et tranquille. Et c'est ce qui va arriver, justement. D'accord ? Parce que vous estimez aussi quand même, il y a des choses, vous avez été la maîtresse d'hommes qui étaient quand même mariés. Ah, ça repart. Attendez, on va laisser passer. On va laisser passer parce qu'ils sont en train de parler. Voilà, c'est parce qu'ils parlent, d'accord ? Donc voilà. Ah oui, ça parle beaucoup, hein ? C'est des pipelettes. Hein ? Voilà. Et donc, d'accord, vous allez vous réconcilier, mais vous ne voulez pas que ce soit l'Église. Vous voyez, c'est plus un côté spirituel, je dirais. D'accord ? D'accord. Même ce prêtre, j'ai l'impression qu'il y a un prêtre ou un pasteur, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a quand même une soutape. Vous allez l'embrasser. Vous allez aller jusqu'au bout avec lui. Hein ? Même lui, il aura le droit au casse-croûte. Les oiseaux se cachent pour mourir. Hein. D'accord ? Voilà. Hein, il va y avoir une relation avec cette personne-là, très intime, et lui va vous accompagner. Vous voyez, on me fait comme ça. Hein, voilà. Vous voyez le col fermé ? Voilà. Mais il y a plus que le col fermé avec lui. Il n'y a que le col qui est fermé.
Voilà. Même avec lui, il va y avoir de la tendresse, en fait. Vous allez découvrir dans ses bras de la tendresse et justement de la paix intérieure. En fait, ce qu'on est en train de me dire, Marie, c'est que vous savez pourquoi vous faisiez ça? Parce que au fond de vous, vous cherchiez l'amour qui vous stabilise, l'amour de la compassion. Et vous n'avez jamais trouvé ce que vous avez eu toute votre vie à cette période-là, on me dit, c'était des hommes qui vous regardaient, qui vous enviaient, qui avaient envie de vous. Et c'est pas des gens qui étaient prêts à payer de l'argent. C'est pour ça que vous les faisiez payer fort. Mais au fond de vous, vous cherchiez l'amour tendre, quelque chose qu'on prenne soin de vous. Et chaque homme, c'était pas forcément ça. Vous avez été quand même déçu de l'amour parce que ces hommes vous promettaient des choses et finalement ne tenaient pas. Vous comprenez? Et vous, ce que vous aviez envie, c'était d'avoir une famille, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. Et malheureusement, vous étiez plutôt une femme objet. Et c'est pour ça que vous les avez fait tourner en bourrique et vous ne lâchiez pas, en fait. D'accord? Vous étiez quand même scandaleuse parce que vous pouviez aller carrément voir leur femme et faire un scandale. Donc, par peur, ils vous donnaient de l'argent, ils vous laissaient partir. Et pour eux, ça les arrangeait quand vous partiez ailleurs. D'accord, hein. Voilà. Il y avait quand même des rentes qui étaient là. Voilà. Il y avait de l'argent, il y avait des rentes, il y avait des choses qu'on vous donnait. De toute façon, vous avez quand même des amants qui vous ont aimé jusqu'à la fin de votre vie. D'accord. D'accord. Voilà. Mais c'était pas le but de votre vie. Votre but dans votre... Attendez, on va laisser passer. On va laisser passer le son. Voilà. Voilà. Le but dans votre vie, c'était de vivre une vie plus simple. Je n'ai pas compris, Isabelle. Le but dans ma vie, c'était de vivre une vie un peu plus simple, faire du théâtre ou faire du cinéma ou voilà. C'était votre rêve, mais dire je rentre à la maison, j'ai une vie, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mes domestiques. C'était surtout ça en fait que vous cherchez. Mais, une vraie relation. Et malheureusement, ce n'est pas ce que vous avez eu. À part avec ce prêtre, on est en train de me dire où ça a été, mais c'était aussi encore une histoire impossible. Parce que vous n'avez pas pu vivre de votre maladie. Alors, c'est marrant parce que, voilà, c'est reparti, on me montre comment vous dansiez. Alors, vous faites des trucs comme ça, un peu, vous voyez, vous faites passer un peu pour une danseuse exotique, j'ai l'impression. Une danseuse espagnole. Vous voyez, vous faites des gestes comme ça et tout ça, mais avec des belles toilettes, vous faites bien les seins comme ça. Mettez bien les atouts en avant, d'accord? Bon, Marie, alors, voilà. Voilà, Marie. Et dites-moi, cette histoire de comtesse, il y a eu des répercussions sur ma... Mais non, je n'ai pas eu d'enfant. Vous n'avez pas eu d'enfant. Donc, je n'ai pas pu avoir une descendance qui reprenne le titre. Non, non, non. Ah non. Non, non. Mon nom n'a rien à voir avec tout ça, comtesse, ça ne vient pas de moi. En fait, vous n'avez pas eu de descendance, mais aujourd'hui, vous êtes quoi, comtesse aussi? En espagnol? Non, en italien. En italien. Non, c'est italien. C'est pas grave. Italienne. Mais c'est pas grave, comtesse. Comtesse et comtesse, c'est la même chose, mais dans une autre langue, de toute façon. D'accord? Mais ça veut dire, oui, ça veut dire comtesse. Mais vous avez gardé quelque chose qui avait lien avec cette vie que vous aviez eue autrefois. D'accord. Parce que vous vouliez qu'on vous appelle comme ça. En fait, vous auriez aimé avoir un nom encore plus, une princesse, un nom un peu plus, plus haut. D'accord, mais c'était pas possible de toute façon. On vous a donné quand même, il vous a quand même. Alors ce roi ne vous refusait rien, il vous aimait tellement. Puis il était vieux, donc vous faisiez des choses que lui il aurait jamais imaginé. Passons les détails. D'accord, mais vous étiez quand même quelqu'un, je veux dire, de très souriant, de très rigolote, de très, qui aimait la vie, qui pouvait à un moment donné avoir une petite folie et tout ça, et vous le faisiez beaucoup rire. Il a quand même une vie un peu triste par rapport à ce qu'il avait vécu, c'était très strict et tout ça. Donc il a eu d'autres maîtresses, mais vous, il vous a complètement affiché. Et puis de toute façon, vous vous cachiez pas que vous étiez sa maîtresse. D'accord. Et vous lui avez apporté du bonheur. Et c'est quand même quelqu'un qui a eu du mal à vous laisser partir, mais il fallait, parce que le peuple, vous mettiez en colère le peuple, parce que vous étiez provocatrice et tout ça.
D'accord, vous auriez aimé justement qu'il quitte, comment dire, qu'il quitte cette femme avec qui il était pour être avec vous et être peut-être une reine. C'est ce que vous voulez de toute façon. En fait, quand vous vouliez quelque chose, vous l'aviez. D'accord. Hein? D'accord. Alors, on dit ce que Lola veut, Lola l'obtient. Eh ben. Voilà. Ce que Lola le veut, Lola l'obtient. Voilà. Voilà, Marie. Et ai-je retrouvé dans cette vie actuelle l'impact de tout ça sur ma vie actuelle ? D'une certaine façon, oui, parce que vous venez réparer des choses de cette vie. D'accord ? Même au niveau de la relation amoureuse, ça a été un peu compliqué, on me dit aujourd'hui. Dans votre vie d'aujourd'hui, l'histoire amoureuse a été la même. Vous étiez quand même, vous avez été aussi une belle femme dans cette vie, d'accord. Et du coup, je veux dire, on vous a pas épargné en amour aussi, d'accord. Vous avez eu quand même des trahisons en amour. Hein? Vous avez quand même souffert, comme à cette période-là, vous avez souffert de ça. Mais aujourd'hui, vous le prenez plus, je veux dire, un s'en va, un revient. Vous voyez, dans le sens un peu, comment dire, un perdu, 10 de retrouver. Vous voyez, derrière ça, il y a quand même une grande sensibilité de femme. D'accord, oui, parce, que, parce que votre but dans votre vie, vous avez quand même choisi. Alors, il faut savoir que vous êtes quand même 19e siècle, vous êtes né au 20e siècle, il y a très peu, vous avez voulu revenir vite. Et peut-être qu'il serait temps aussi, Marie, de dire que le jour où je serai de l'autre côté, j'attendrai un petit peu de temps pour revenir et expérimenter, si bien sûr vous le voulez, quelque chose de plus constructif, on me dit. D'accord. D'accord, quelque chose de plus constructif. On me dit pas les folies bergères. D'accord. C'est sûr. Voilà. Mais quand même, Marie, vous êtes quand même venue, comment dire, à cette période-là, ouvrir une conscience aussi par rapport à ce qu'une femme peut faire seule. Voilà, tout ce qu'elle peut réaliser seule. Pourquoi les hommes, je veux dire, pourquoi les hommes auraient ce privilège à cette époque-là de tout, de faire tout ce qu'ils voulaient et qu'une femme, tout de suite, c'est mal vu, de toute façon. Hein. C'est comme autrefois, une fille qui sortait avec un garçon, c'était mal vu avant qu'elle soit mariée. Maintenant c'est dans les mœurs. Autrefois, je me rappelle enfant, les speakerines qui disaient qui allaient donner le programme à la télé, je me rappelle d'une qui avait été virée parce qu'elle montrait une partie de sa poitrine. Vous voyez le haut de sa poitrine. Alors qu'au Moyen-Âge, les reines montraient le haut de la poitrine. Et elle a été virée. Oui. Et j'avais été surprise enfant, jeune fille, qu'elle soit virée parce qu'elle avait montré un peu de décolleté. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Je veux dire, c'est tout à fait naturel. Et même des fois, peut-être aujourd'hui, c'est trop à l'excès. Je veux dire, d'accord, mais vous voyez, il y a quand même des prises de conscience qui sont faites par rapport à telle actrice, par rapport à tel personnage important pour ouvrir les consciences. Ça veut dire que nous vivons aujourd'hui sur une terre où on doit faire les choses dans le juste milieu. Et là, vous êtes encore, on me dit aujourd'hui, Marie, à la recherche de quelque chose, mais on me dit pas religieux, mais spirituel. Encore. Vous comprenez ? Voilà. Et j'ai retrouvé des gens dans cette vie actuelle, de cette vie-là ? Non. Pas plus. Non, parce que c'est une vie, pour vous, c'est une vie, comment dire, superficielle. D'accord. Vous vous êtes réalisé, c'est surtout ça. Alors, je dirais plutôt que vous avez des copines, des femmes qui ont été trop fortes, vous avez été la maîtresse de leur mari. Mes copines actuelles, j'ai été la maîtresse de leur mari, de mes copines actuelles. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais voilà. J'en ai deux à côté de moi. Là, je ne vais pas faire des amis, là, Isabelle. Non, mais autrefois. Je vais pas faire des amis, non, mais autrefois, Marie. Autrefois. Mais aujourd'hui, sûr, ça n'a rien sûr. À voir. Aujourd'hui, vous ne les regardez même pas. Ah ben ça c'est clair, ça c'est sûr. D'accord, mais aujourd'hui, mais c'est pour réparer aussi des choses en amitié en fait. C'est l'amitié qui voilà. Parce que
ces hommes qui vous trompaient leur femme, vous aviez quand même, comment dire, de la peine pour leur femme. Parce que en fait, quand vous faisiez ça aussi, c'est dire, regarde, mais vous le disiez en plus, mais pour, ta femme, elle est jolie, ta femme, elle est importante, pourquoi tu la laisses pas s'habiller comme ça ou faire des choses? Ah non, mais ma femme, c'est ma femme. Et ça, c'est un truc que vous supportiez pas. Vous voyez? Donc, même aujourd'hui, vis-à-vis de vos amis, vous êtes quand même quelqu'un qui allait dire, ben non, pourquoi tu t'enfermes dans ça? Il faut que tu fasses comme ça. Tu as le droit aussi à faire ça. Vous allez ouvrir un peu... Vous voyez? Bon, les copines, vous pouvez venir à côté. Hein. Elles sont là. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, vous voyez, Marie, et puis cette période-là, vous n'aviez pas beaucoup d'amis non plus. Vous faisiez que des ennemis et le but, c'était pas ça. Avec la vie que je vivais, ouais, normal. C'était compliqué et puis on vous a pas compris, en fait. Vous êtes une femme qui avait besoin d'amour, d'affection, d'amitié. Mais vous étiez... ces femmes qui étaient autour de vous étaient jalouses de vous, de ce que vous aviez. Vous n'aviez pas eu d'enfant, vous avez gardé un corps jusqu'à 40 ans. Un beau corps, vous preniez soin de vous, vous aviez les moyens aussi, on vous donnait les moyens. Donc, mais vous, votre vie, c'était de fonder une famille, d'avoir un homme tranquille, aimant. N'oubliez pas que vous avez été quand même enlevée par le mari de votre mère, hein, je veux dire, de l'amant de votre mère, du deuxième mari de votre mère. Il vous a quand même, à 15 ans ou 16 ans, kidnappé pour que vous deveniez sa femme. Vous n'avez pas pu refuser, donc il vous a... Derrière cette innocence et tout ça, il y avait une femme fragile, hein. Une jeune femme fragile qui découvrait. C'est pas parce qu'on est une femme et a envie de rire, sourire et tout ça, qu'elle a envie forcément de ça. Hein, il vous a appris énormément de choses. Il était bien plus vieux que vous aussi. D'accord. Voilà. Mais c'était comme ça, c'est tout. C'était ainsi. Voilà. Voilà Marie. Voilà Marie. M'entendez Marie? Oui, il n'y a pas de troisième vie? Non, c'est non. deux grosses vies. Deux grosses, d'accord. Et je ne suis pas revenue après mon avantage? Non, vous êtes revenue en tant que Marie Contessa. Ah, d'accord, ok. Alors, ma troisième vie, là, d'accord. Enfin, la troisième importante, on va dire. Voilà. Okay. En fait, je vais couper la vidéo maintenant et je vous remercie. D'accord. Voilà.